Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Une fin de loup. On va tenter de continuer notre objectif personnel qui est de faire deux niveaux par épisode. On a récupéré deux moutons. Et la dernière fois ça s'était plutôt bien passé. On avait découvert de nouveaux objets, que ce soit l'élastique ou l'hypnose. Donc ça c'était le niveau 4, on l'a fait. Donc j'imagine que le 5 il doit être dans le coin. Ici, Avis. C'est vrai que c'était... Ça a annoncé de la neige, de la glace, certainement des choses qui glissent. Donc en face de plateforme, ça va être compliqué. On voit sur le plan qu'il y a une catapulte. Donc apparemment, il va falloir réussir à prendre le mouton qui est un peu plus au nord, mais il va falloir faire tout un chemin pour atteindre l'objectif. Je pense pas qu'on puisse faire un demi-tour. Et on va voir s'il y a de nouvelles mécaniques qui se débloquent pour les énigmes. On va voir comment ça se passe. Un petit aperçu du niveau. Effectivement, ça va être compliqué de passer, de revenir sur nos pas. Alors, voyons voir déjà ce qu'on peut choper ici. Ah, la flûte. Donc ça, c'est pas mal. Ça permettra d'hypnotiser le chien. Donc, ça on le voit. J'imagine qu'il faut... Je sais pas s'il faut faire un truc avec cet oiseau là qu'on entend. D'accord, ici il n'y a rien et il n'y a rien. Et merde. La vue. La caméra. Est-ce que j'ai la flûte? Non, j'ai pas la flûte, donc il faut que je la reprenne. Alors pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de comment on va réussir à s'approcher. Là, je vais essayer de. Arrêter de tomber, voilà. Donc là, il faut qu'on avance prudemment. On va prendre ça. C'était prévu pour qu'on se le prenne. D'accord, donc il avait mis des bouchons, c'est bien joué à lui. Donc, comme une nouvelle mécanique. Petit Mava, là, va, moi aussi, je peux jouer. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des bombes, ok. Je ne savais pas ce que c'était, hein, pour le coup. Vous croyez que je peux... Mince, j'ai pas la flûte. Et du coup, il a remis ses bouchons, non? J'imagine. Ah oui, non, vraiment, je peux pas avoir la flûte et tout ça, ok. Ah, oh, mais si. On pensait que ça passait. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, il a l'air de faire des rondes. On va essayer de faire ça comme ça. Puis on verra bien comment. Comment il bouge? Il
D'accord, il faut réussir à se planquer derrière le rocher au moment où il fait le demi-tour. Mais du coup, il faut être vachement proche parce que son demi-tour, il est très très court. Ça va demander un bon timing. Et pas hésiter à être en fait très proche de lui. Normalement, je marche un peu plus vite, donc je devrais grignoter. Est-ce qu'il me voit là? Ouais, il me voit, il est pas débile. Donc il faut vraiment que je me mette sur la face. Comment dire, là où il y a les moutons. Pour être le plus clair possible. Ok. Caméra des enfers. Ça c'est compris. Alors si je pouvais être un poil plus proche, ça me laisserait un peu plus de marge. Alors, pas trop non plus, parce que je pense pas que je puisse le toucher sans qu'il réagisse. Là c'est bon. Hop. Ok. Comment faire pour passer ça? Si je te pose là, tu arrives gentiment là? Il va y avoir un truc à faire. Ta fille est congelée. Qu'il y a un objet qui peut m'intéresser. Ah, les salades déjà serait pas mal. Et on a la boîte mail, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Sèche-cheveux. J'imagine. Ça va servir pour décongeler notre ami qui va nous donner des conseils. Certainement pour passer ces fichus mines. Coucou! Je suis un canard gelé. Hé, toi là-bas, soldat! Tu devras désactiver cette mine. C'est très facile. D'abord, observe bien le rythme des ondes de lumière. Lorsque la série lumineuse s'arrête, approche de la mine et appuie sur la touche action. Ça te donnera accès au tableau de contrôle. Attends la lumière verte, ensuite observe dans quel ordre clignotent les touches lumineuses. Sois bien attentif, car quand la lumière passe au rouge, tu devras allumer les touches dans le même ordre. Et au bon moment. Si tu réussis, la mine sera désactivée. Si tu fais une erreur en te trompant de touche ou en appuyant dessus au mauvais moment, boum! Je compte sur toi, soldat. Bonne chance, tu en auras besoin. Ok, bon, j'ai pas tout compris, mais on va essayer. Alors, on va juste prendre le mouton. On va l'éloigner avant que je le fasse exploser. Ah, tu restes là, petit mouton. Voilà. Vas-y, je touche pas là.
Ok, j'ai stressé. Alors, il y a un truc qui se passe à gauche. J'ai pas compris. Mais ça va trop vite. Alors attendez. Je suis aveugle ou... Est-ce que c'est parce que l'autre me touche? Est-ce qu'il y a une connerie comme ça? Oh putain, j'ai plus un bouton. Alors attendez. Oui, donc on pouvait passer avec le bouton, et c'est ici qu'il faudra qu'on les désactive. Ah, attendez, j'ai pas... Déjà, on a pas explosé immédiatement, donc bon, j'ai bien compris, hein, faut que je fasse la même chose, mais... Je comprends pas leur système. Qu'est-ce qu'il me veut ? Là il y a son bruit là, de lancer là qui me stresse. Alors ok, ça fait tac. Tac. D'accord, quand c'est rouge, il faut que je le fasse. Ok. C'est que tu peux avoir deux commandes à faire. Là c'est croix. Là c'est rond. Croix, rond, tri. Trop tard. Ah non, à chaque fois il va falloir se retaper ça. C'est pas compliqué, hein. C'est... En tout cas pour l'instant les codes, c'est basique. Ah non, ça veut dire des 7 bombes. Ok, j'ai compris le timing. C'est bon. On peut avancer, ok. C'était pas évident. Leurs explications n'étaient pas très claires, je trouve. Mais néanmoins, on progresse. Hop. Alors, attends, un petit mouton, je te pose. Et je vais m'occuper. Merde, faut que je saute. Ok, rond. Carré. Triangle. Ok. Dernière fois triangle, c'est bon. Parfait. Toi, du coup, tu vas aller là. Je vais te poser là. Ça, on a compris qu'on va surélever. Hop. On va te faire sauter par là.
simplement. Non. C'est pas ça. Ok, mon mouton il est là, ça c'est bon. Du coup... Merde. Du coup, la perspective m'a fait tomber. Donc c'est pas si simple que ça, du coup, il faut trouver quelque chose... Ouais, qui évite qu'il tombe ici. Donc là, est-ce qu'on n'avait pas quelque chose à préparer? Tourne la caméra parce que. Ouais, pas grand chose. J'ai des mines. J'ai salade. Là, il y a une fusée. Faudrait pouvoir aller là. Mais comment faire? Parce que là, on est d'accord. Ça, ce sera pour la fin. Et ici, ça me permet d'aller là. On va regarder les objets. Posez-la, écartez-vous. Au bout de 5 secondes, elle s'active toute seule. Posez-la. Ok, que vous voulez protéger. Soit. On peut faire fondre les éléments les plus classés. Je voulais sauter. J'ai vu qu'il y avait une fusée là, donc. Non, je peux pas l'atteindre comme ça, c'est trop loin. C'est trop loin, c'est trop loin. Je peux pas pousser. Peut-être que je peux me projeter moi avec la boule. Peut-être. Peut-être qu'il faut aussi que je saute correctement. Ah mais... Ah les petits passages comme ça là. Toujours un plaisir sur PS1. Donc on va essayer ça. Pas. Rien là-haut. Et tirer, ok.
recouvre. Il y a peut-être un truc à faire. Avec le pilier qui est là-bas. Est-ce qu'on pourrait pas le dégivrer ? Est-ce que je peux pas aller... Non, là, ici, il n'y a rien. Ça ne donne rien, ok. Pas évident celui-là. Oh. Je glisse. C'est pas avec mon petit sèche-cheveux que je vais faire quelque chose. J'ai récupéré des mines, elles doivent bien me servir à quelque chose. Alors ça m'emmène, je me disais peut-être qu'en sautant et en faisant que le glaçon aille contre le rebord de la banquise, ça pouvait marcher. Et pas du tout. Non, je peux pas. Je peux pas tourner la catapulte pour m'en servir pour péter quelque chose. Donc non, ce n'est pas ici. Catapulte, il faudra juste s'en servir correctement pour réussir à... Après, c'est vrai que... Je crois que je peux passer au-dessus des précipices quand je cours. Est-ce que je pourrais pas tenter un truc? Avec ça, on l'a pas encore trop utilisé. Et je me dis que courir là... On va essayer. Apparemment, on n'a pas eu droit à la chute. Yes. Ah. Alors, j'ai un bonus. Toujours cool. Évidemment, je le perds. Donc non, c'est pas ça. Ce n'est pas aller de là-bas qui nous sert. C'est juste le bonus. Donc réfléchissons. Ça veut dire que tout ce qu'on a besoin est ici. Correctement. Voilà, je te mets là. Ah, j'ai peut-être une idée. Alors, j'ai peut-être une idée, mais c'est peut-être aussi très tordu. Je crois pas qu'il puisse sauter. Donc,
les étangs. Ça. Non, ça passe pas. Est-ce que les mines ont un poids ? Je sais pas. On a déjà essayé ça. Je sais pas où je vais, la caméra m'a perdu. J'essaye des choses, hein. J'ai bien compris que le truc, il faut que je fasse contrepoids là où le mouton va arriver. D'où la mine. Ah oui, d'où l'idée qu'il faudrait... une salade ici pour que le mouton remonte, en fait, le temps que je désactive le processus. J'ai pas du tout cisé ça, hein. Là, là il se dit miam miam, c'est cool, ça ça fait contrepoids. Mais non. Allez, mais je me trompe de touche. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah bah, du coup, elles sont revenues. Donc non, je pense pas qu'il y ait un truc à faire avec les mines, du coup. On va les désactiver de nouveau. Ok, je la prends. C'est toujours les mêmes. Ouais, c'est toujours les mêmes codes. Alors, il faut qu'il reste là. Faut qu'il ait envie. De revenir par là. Ok, on va essayer ça. Vas-y, je fais contrepoids, reviens. Je te porte et on y va. Ok, ça c'était pas trop compliqué. Et la petite glissade, c'est parfait. Tu attends là, bien sagement, et moi je vais faire le réglage. Donc ça, on a vu que c'était trop fort. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas mal comme... puissance.
c'est pas facile de mettre correctement. Ah. Je peux pas faire le double saut pour remonter vite. Voilà. Alors où est-ce qu'on va là? Trop loin. Ok. On est encore trop loin. Ici. Ça va, c'est juste. Yes. On va pouvoir placer le mouton. Voilà. Parfait. Et maintenant il faut aller le rejoindre. Et pour le rejoindre... Alors deux solutions, j'imagine que tu peux prendre un deuxième mouton et t'en servir sur... Sur le bouton qui te propulse. On peut faire ça. Tiens, on va faire ça. Pourquoi je peux pas le prendre? Alors attends, on va attendre juste qu'il repasse. Ah ouais, non, j'ai droit qu'à un seul mouton. Bah écoute... Je vais voir s'il y a encore la... comment ça s'appelle? La fusée, voilà, je cherchais le mot. Et si elle est pas là, eh ben, je vais faire exploser le chien. Allez. Voilà, parfait. Je suis dans les textures. Mais non! Ok, je n'ai pas compris. Peut-être que j'avais plus de carburant. Elle est peut-être limitée en fait pour pas qu'on puisse. Gruger. Peut-être. J'ai pas vu, j'étais préoccupé par les textures que je traversais. Je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, mais c'est compliqué de savoir où est-ce que tu vas avec ce truc. Ah, c'est ça, y a pratiquement pas de carburant en fait. Oh, mais non, mais le mouton il est là! C'est dégueulasse. Du coup, je sais plus si c'est le bon réglage. Quel jeu de l'enfer. Ouais, on est bon. Du coup, faut pas que je me foire. T'es prêt, le mouton? C'est parti. Voilà. Ça c'est fait. Et on va aller retourner là-bas. Du coup, je vais prendre ça. Évidemment, ça va être de poser. Sur la route de Sam, en espérant que ça l'explosera. J'attends juste qu'il passe. Avec ma chance, pas de timing. Non, c'est bon. Traverse un peu les textures, on va rien dire. Ok.
va exploser du coup. Petite vengeance. Quand il explose pas, je vais hurler. Il en a rien à foutre. Je sais pas comment je suis passé. Du coup, je me suis piégé la zone. Super. Moi, je vois une solution. Sinon, on va se faire choper et puis on partira comme on est venu en fait. Ah, voilà. Ah, mais. D'accord, ça lui fait rien. Donc, monsieur, il s'en fout. Bon. Plus qu'à espérer que le bouton. Il est au bon endroit. On va le laisser passer, on va être tranquille. Bon, clairement là il va avoir qu'un seul niveau dans cet épisode puisqu'on a mis pas mal de temps. Il faut aller chercher un petit peu ce que voulait le jeu. Mais on a eu le bonus en prime, donc c'est pas mal, ça fait un épisode rempli. Puis là vous voyez comment ça. Comment je tâtonne petit à petit pour trouver les bonnes choses. Parce que des fois tu vois des éléments comme là, la fusée et cette zone qui était un peu en retrait, tu te dis ah bah c'est par là qu'il va falloir passer, c'est comme ça que le jeu veut que je joue le truc. Et finalement tu t'entêtes à essayer d'avoir quelque chose qui n'est pas ce que le jeu a prévu que tu fasses. Et il me voit là, évidemment qu'il me voit. Une autre technique. La technique, c'est le tout pour le tout. Ou alors je m'emmerde pour rien. Et j'aurais pu lâcher le caillou sur le bouton. En étant sur la catapulte. Ouais. Oh, il a rien vu. Oh, l'arnaque. Oh, l'arnaque est totale. Je suis pas sûr que c'était ça qu'il fallait faire. Saleté de jeu. Ah, il va me choper. Du coup, je vais recommencer où? Oh non. Oh mais non. Bon, bah alors, ellipse, jusqu'à ce que je revienne à la catapulte. A tout de suite. Bon, j'ai envoyé le bouton. On va essayer du coup cette technique. Hein. J'imagine que le jeu est en train de me dire, bah non, en fait, t'étais pas censé revenir en arrière. Et effectivement, c'était beaucoup plus simple comme ça, je me suis compliqué la vie, encore. Et toujours, et voilà. Le bouton déposé, on est dans le cercle, on est bon. Ça nous aura pris quand même 40 minutes hein, à faire le niveau. Ça a pris son temps. Bon, j'ai un peu balbutié sur comment fonctionnent les mines et ce genre de choses. Donc, bon, on a perdu du temps là-dessus. J'ai eu un peu de mal. Bah j'ai essayé d'atteindre un endroit qui était un objectif bonus mais pas l'objectif principal. Et après c'est vrai que là le retour, bon, c'était pas la meilleure idée. Mais c'est pas grave, on a réussi, on avance. Il y aura certainement des niveaux moins longs. Ah, toujours de la neige et de la glace. Et une victoire de plus.
Et oui, on a eu un nouveau. Et surtout, je crois qu'on peut débloquer un nouveau bonus. C'est ça, recherche décor, oui. On achète. Il y a combien de bonus? Il y en a 8. Donc ça fait quoi? Là, il c'était 1 point, 3 points. Ça fait 5, 6, 8, 11, 14, 17. 17 points. Il n'y a pas 17 niveaux. Donc il y a peut-être plusieurs bonus dans certains niveaux. Ah, quoi que, il y en a peut-être 17. Hein. C'est possible. Bon, on ne les aura pas tous, mais c'est pas l'objectif. En tout cas, là, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On aura fait ce niveau, donc c'est quand même une progression. On a acheté un bonus, on a vu pas mal de choses, on a vu une nouvelle mécanique, et puis on découvrira le niveau suivant la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse, j'espère que l'épisode vous a plu, on se retrouve très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien, et à la prochaine.